Bienvenue dans cette deuxième partie concernant la pagination. On continue. Donc, on se rend vers function.php où on va créer une nouvelle fonction qui va se charger de compter le nombre d'articles qui se trouvent dans notre base de données. Donc, pour notre cas, on a 11 pays. Donc, on va l'appeler NBR pays. On va exécuter une requête SQL qu'on va enregistrer dans une variable qu'on va nommer query. Ici, MySQL query. Donc, on va select count ID. On va compter le nombre d'idées dans notre table pays. Donc, pour que cette requête SQL puisse renvoyer un chiffre, on va utiliser la fonction MySQL result qui nécessite deux paramètres. Le premier, c'est notre requête SQL et le deuxième, c'est notre first row, c'est-à-dire notre première rangée qui porte le chiffre 0. On va faire un return pour retourner le nombre. On va faire un petit test. Je copie le nom de ma fonction. Je me dirige vers index.php et on va l'afficher. On actualise et on a effectivement ici un 11 qui apparaît. Donc on a 11 pays. Donc je vire le écho et on va saisir une variable qu'on va nommer nombre page. On va compter le nombre de pages que cette pagination nécessite. Donc puisqu'on a 11 pays et on veut afficher 4 pays par page, donc on va diviser par 4. Donc le petit problème ici, c'est que 4 n'est pas un multiple de 11. C'est-à-dire on va avoir un float, c'est-à-dire un chiffre avec la virgule. Donc 11 divisé par 4, c'est 2,75. Oui, c'est ça, 2,75. Donc on va dire à PHP d'arrondir ce chiffre pour qu'on puisse avoir 3. C'est-à-dire les 3 derniers pays auront une page propre à eux, c'est-à-dire la troisième page. C'est logique. On va utiliser la fonction SEAL. On actualise et on a effectivement ici un 3 qui apparaît. On vire une fois de plus le écho et cette variable, on va la mettre en haut. On en aura besoin plusieurs fois. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une boucle pour afficher donc les liens. On va initialiser une variable à 1 qu'on va nommer i. Donc while i est inférieur ou égal au nombre de pages. Donc si c'est le cas, on va afficher sous forme de lien, donc à href. Je ferme ici. On va afficher notre i, dollar i. Et pour que la boucle puisse s'arrêter un jour, on va l'incrémenter de plus 1. Je vais rajouter quelques petits espaces avant et après. On actualise. Et on a effectivement ici 1, 2 et 3. La destination des liens. On va préciser une méthode get, donc on va rajouter une variable qu'on va nommer page est égale entre accolades notre variable i. C'est-à-dire, si je clique sur 2, je suis redirigé vers la page numéro 2. Si je clique sur 3, je suis redirigé pardon, vers la page numéro 3. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va s'assurer que notre variable page existe avec un is7. Donc, F, on va dire plutôt différent 17, si elle n'existe pas de dollar underscore get de la page, ben, si elle n'existe pas, ce qu'on va faire, on va rediriger l'utilisateur vers la première page avec la variable ici page dollar underscore get page et on va forcer sa valeur à 1. C'est-à-dire si la variable n'existe pas, on va rediriger l'utilisateur toujours vers la première page. Donc else, si elle existe, ben on va déclarer notre variable tout simplement int, c'est un entier, de dollar underscore get dans notre page. Donc cette variable, on va la mettre ici, à sa place, page dans notre fonction, et on va faire un petit test. Ici j'actualise, donc je vire carrément ma variable, on actualise et je suis toujours redirigé vers la page numéro 1. Le deuxième cas de figure, si la personne saisit des caractères alphabétiques dans l'URL, c'est-à-dire si la personne s'amuse à taper ici des caractères alphabétiques, donc il va planter notre requête SQL. Donc ce qu'on va faire, on va dire if, donc si elle n'existe pas, ou, donc le ou avec les deux barres, ou différent de is numérique. C'est-à-dire, si il n'est pas numérique de key dans notre dollar underscore get page, ben tu forces la page, c'est-à-dire tu le rediriges vers la première page. On réactualise
Et je suis redirigé vers la première page. Le troisième cas de figure, si la personne saisit un chiffre, c'est-à-dire si elle saisit un 4, et le nombre maximal de pages pour entre cas, c'est 3. Donc ce qu'on va faire, on va dire or dollar underscore get page est supérieur au nombre de pages. Cette fois-ci aussi, on va le rediriger vers la première page. Et le dernier cas, si donc il saisit un chiffre négatif ou égal à 0. Donc or nombre dollar, pardon, underscore get de la page est inférieur ou égal à 0. Donc on a pratiquement saisi donc toutes les conditions. On va faire un test. Donc je saisis 0 alors que la page 0 n'existe pas. Je reste toujours vers la première page. Je saisis un chiffre négatif. Je suis toujours vers la première page. Donc c'est nickel. Donc ce qu'on peut rajouter, c'est virer le lien sur la page active. Donc c'est un plus. Donc on se dirige vers notre boucle ici. Et on va afficher le lien if. Donc i est égal à la page courante. On va écho le i sans le lien. Else, s'il n'est pas égal à la page courante, on va afficher le lien. Donc l'incrémentation se fait en dehors. Ici. Parfait. Et on a le résultat voulu. On voit parfaitement que le lien courant de la page active, ce n'est plus un lien. Ok, parfait. Donc on vient de terminer ce tuto. Si vous avez n'importe quel problème, postez un commentaire. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.